L'amour règne parmi nous. Congolais, lingi congolais. Donc, gouvernement, il y a des parents responsables qui accompagnent Abisso. Si vous pouvez vous dire, vous pouvez vous dire, vous pouvez vous dire, vous pouvez vous dire, après, vous avez un discours dans le bloc et belé. Après, on a gagné à Londres. J'ai gagné le meilleur acteur congolais à un festival de cinéma à Londres. J'ai reçu au moins 6 trophées de meilleur acteur congolais. J'ai un trophée que j'ai gagné bien avant. Le ministère est allé logoté, on est allé logoté. Et ça, il est remonté. On a quitté les États-Unis. On a quitté sa publicité, on a quitté sa fanatique. On a commis Hollywood, on a quitté un franc à Zaté. Dans le bar depuis 2015, le film est en Hollywood. J'ai demandé tout ça, on a quitté sa lettre par-ci par-là. Central Buzz, Central Buzz, Central Buzz. Bonjour et bienvenue sur Central Buzz Congo Télévision. J'espère que vous allez bien, moi également. Bienvenue dans Demeure Centrale. Je m'appelle Demeure Nyangi. Mon coussiata, le l'hymne national, la procureure des médias, la maréchale des analyses. Je suis sûre que ça se passe bien chez vous. Alors, j'ai reçu pour vous un invité. C'est un acteur, il fait le cinéma. Et puis, il ressemble vraiment à un acteur. Hein. Il est baraqué, costaud, comme vous pouvez le constater. Il s'appelle Moïndo Pongo, quelqu'un que je connais dans le monde professionnel aujourd'hui. Il est mon invité sur ce plateau, à qui je vais dire bonjour. Bonjour, Demeure. Boni, papa. Bien, bien, bien. Je suis très heureuse de te recevoir sur mon plateau pour la toute première fois et ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ouais, je suis très content aussi. Et c'est vrai que ça fait très longtemps, oui. On fêtait bien. On a fêté bien dans mon local. 2020, on a bandé les bisous, on a ma tang, on a ma buzz. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça te fait de voir que tes frères artistes, que ce soit du côté de la musique ou du côté y a le théâtre populaire, au cœur, il y a un scandale, le lingo, vraiment. Bon, bah scandale en principe, ils ont marqué bandit les lotés. Seulement, ils ont moins ampleur mon robot par rapport à la technologie actuelle. Quand on a eu oh non, maman mon robot bandit, maman mon robot, on a pas papa mon robot, papa mon robot, on a pas gagné, on a pas gagné, maman mon robot. On entendait ça aussi quand on était petit. Mais seulement avec la numérisation, avec la technologie actuelle, la modernisation, l'évolution et ainsi de suite. Donc, et comment on peut ça en scoba, bah proportion mon sous parce que les gens suivent les choses parfois sans réfléchir. Il y a tout le monde aujourd'hui qui utilise l'internet, mais il y a danger dans le côté, ça revient à quoi ce qu'il fait, et puis voilà. Il y a des gens qui sont ignorants, parce que bon, celui-ci a fait cela, celle-ci a fait ceci, mais la technologie, ils ont un côté positif, ils ont un côté négatif. Donc ça fait mal parce que bon, tout le monde fait des bêtises, hein, tout ça humain. Moi ce que je demanderais peut-être aux gens c'est de juste un peu m'imiter Marokita parce que tous ces gens qui pointent du doigt, est-ce que Bango va clean? Point d'interrogation. Donc ça me fait mal de voir que quelques-unes de nos amis se sont retrouvés dedans. Bon, ils ont les camos à Makassi et puis ça va passer, rien ne reste éternel. Tout le monde a scandale Bango avant. Aujourd'hui, donc on n'entend plus parler d'eux parce que rien ne reste constant. Tout est éphémère, ça va passer et puis la vie va continuer sa course normale. Donc je pense que c'est vraiment un cas que faut tout mettre un peu qu'aux alamous et kengi mon makasi. Parce qu'après tout, ils ont souhaité erreur à battre comme ce qu'on va dormir ciblé. Si je te dis le nombre de personnes, on va draguer un micolo. On dit maté quoi. Non, on est allé piéger Moï. Non, c'est la rabat, attends, on ne peut pas nous draguer. Faites attention, il ne faut pas publier notre acteur de Hollywood. Salutations à la production qui est assurée par le King Arbac. Je sais que je vais la coute ou d'Iva Plus. Mon manager, le King Arbac, c'est un tonton Fédé Touba, le barbe à papa de Cyril Kassiki à la barbe à maman. Tonton Pénette Papingoloba, je te salue. Et derrière la caméra, je suis avec Derby Penane. Donc voilà, on va parler avec Moïndo Pongo aujourd'hui. Beaucoup ne le connaissent pas. Je tiens à signaler que c'est un acteur professionnel. Il va nous faire une brève analyse. Hein. Enfin, il va nous dire en quelques mots qui il est, ce qu'il fait, par où il est passé. Comme ça, on va maintenant, au fur et à mesure que nous allons avancer, vous allez découvrir qui il est réellement en dehors de ce qu'il va nous dire là maintenant. Moïndo Pongo, bête son nom, l'isolo, na yo, bataba YouTube, alingara, bakawanzo, nzing, théâtre, papa, koba, tout ça là. Bata la rapena cinéma professionnel, te. Yo, za benasko, moutaba film. Bino, babenga, no film. Bango, bataba théâtre, bino, bataba film. Parle-nous de toi, Moïndo. Qui est Moïndo Pongo, né où, grandi où, et qu'est-ce que Moïndo a fait comme étude? Bon, Moïndo Pongo, premièrement, on a
dans un artiste musicien, dans un professeur de langue, donc j'enseigne le français, j'enseigne l'anglais. Et dans la habitude en Corée du Sud, donc j'ai étudié là-bas. Dans ma carrière solo là, na Corée du Sud en tant que chanteur R&B et puis rappeur. Bato baye baranga la 2007 8 9 ti 2010 11. Et là comme like Mike. Okay. Parce que j'avais une chanson qui avait pas mal cartonné à Kinshasa qui était oui. Najahe yeah yeah not body party. Bon, plus j'ai rappé en anglais parce que place na banda ozala, c'était plus une influence anglophone que francophone. Donc voilà, j'ai fait ce parcours là en Corée du Sud. Après ton assisiba classe, j'ai terminé ma licence en langue et je suis rentré ici à Kinshasa. Na au fond la structure Morobo qui s'appelait Elo Kumakasi Productions, c'était un label de production musicale ainsi que cinématographique. Et en 2015, malheureusement, on a connu un petit problème l'État, parce que depuis toi bah activiste, toi bah révolutionnaire, sur mon état, mon labyrinthe de l'obaka. On n'a pas, moi j'ai pas une petite gueule comme ça, j'ai pas une petite bouche, j'ai une grande bouche qui parle quand il faut parler. Mais quand je n'ai rien à dire, je préfère le silence parce que pour parler, il faut avoir les mots plus pesants ou les mots plus lourds que le silence. Si on n'a pas, je préfère me taire, mais si on a, je parle et je n'ai peur de personne, je parle. Alors on a eu quelques problèmes avec l'État, il y a époque où on a. Et ça a mis un peu en difficulté nos activités, mais pour ceux qui me connaissent déjà, donc NASA cinéaste, NASA acteur, réalisateur, j'ai joué dans beaucoup de films, en l'occurrence la série télé Ndakisa, où ça a été vraiment un succès phénoménal dans toute la République. Bon, il y a commandant Elombe que j'ai incarné le rôle du capitaine de la police. Donc voilà, dans ça, il y a un film Bélé en tout cas. À mon actif, il y a un film Bélé. Et puis, je suis parti d'ici. 27 films. Oui, je suis à mon 27e film. Donc, pas film comme tel parce que. Différence, c'est Zamakasi. En fait, l'autre fois, j'avais suivi mon collègue et ami Tara qui avait éclairci certaines choses. Misusu, à l'obaïté, parce que bon, on ne peut pas tout dire. Et ça, la différence, Makasi. Ah, on a vu tout ce qui se passe à la télé, on a au théâtre. Pendant que c'est un théâtre été, au moins on est à la télé dramatique. Il y a des séries télé, des télé dramatiques. Il y a le théâtre qu'on va voir dans la salle. Il y a des feuilletons. On est à Will Smith, on est à la salle. Tu vois, on est à Friends, on est à la feuilleton. Ils ont à la théâtre été. Au moins on est autre bien à ma boque. Ils ont ma boque été comme tel parce que ma boque c'était une personne qui faisait des spectacles. Alors, Bissot pèse à la canne. On a été à film à Rambo. Mais ce n'est pas Rambo, c'est Sylvester Stallone. Au moins, c'était ça, en fait, des tigala sikondengwa na mitwa bato. Donc, on doit vraiment essayer de faire la différence. Mais, toza biso tout bato audiovisuel, to travailler avec les audios et les visuels, donc et les vidéos. C'est pour ça que, au moins, comme batounde, au basala ka théâtre, to ba télé dramatique, bazaki plus liboso na télévision. Voilà pourquoi les gens, yabika ka yangwa nde cinéma, yangwa nde ka théâtre. Au moins, alors, le cinéma en soi est bimarana basal. Bon, biso a un mot qu'on a biso la capitale pratiquement à l'étendue de la République. Bah salle de cinéma ils ont presque dissouté. C'est une culture qui a été morte. Nous sommes en train d'essayer de faire revivre ça par le biais de nos aînés comme le professeur Baloufou d'ailleurs qui est mon lanceur, s'il faut que je dise, s'il faut m'approprier du terme, c'est lui qui m'a lancé dans le cinéma. Nous avons Patrick Nkalala, Chopper, réalisateur et Béléo, ça a en sorte que le film ait existé dans le Congo, mais on n'a pas des salles appropriées pour ça. Quelques moi, personnes. Maison de savoir et maison méga repoussée. Oui, maison de savoir, Cinekine, voilà. Boboto, Showbuzz aujourd'hui. Showbuzz, oui. Donc, Eza Bilo, au moins, il fallait que normalement l'État ne prenne en charge. Et Bimise font la salle de cinéma est belée parce que Bissolambo Katokoufa pauvre parce qu'on ne vit pas de notre métier. Et c'est ce qui est aberrant. Mais c'est quoi le lobby PM, puisque tu es là, on en parle, tu parles au nom de tous les acteurs, au Bassara uniquement le cinéma parce qu'on a théâtre populaire, tout le monde a repensé. Mais Manu Tarakou, tout ouais, voilà. Pour dire vrai, Azarate n'a pas été à toi populaire, on zonzing bon monete. Il y a des gens qui ont été world, des novelas, des gens qui ont été qualifiés. Il y a des gens qui ont été à Hollywood, Mikolo, Jason Statham, ce qui est un peu moins. Donc, comme il y a des gens qui ont été à Bongo. Parce qu'on a le cinéma, on a été à Zapena Kati quand même. Tommy Tiaka, à part. À l'écart, on n'aime pas se mélanger avec ceux qui font le théâtre populaire. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'on est mieux que Bango. Tout le monde on dirait que biso le roi tout ça est là-bas texte bon on va faire l'improvisation tout ça sanganati. Qu'est-ce qui nous sépare au fait? Non, ce n'est pas vrai parce que si nous prenons la série Ndakisa dans laquelle j'ai incarné le rôle du capitaine Elombe, il y a pas mal d'acteurs, il y a bas théâtre bas dans la Kati. Okay. Aziza, ok. Kadiombo, ok. Banani Susuna, Bamsuba Komo la bonne à ébiter, mais j'ai retrouvé pas mal de gens dans mon abonne à théâtre. Au Moni, Bazali.
Basali, même dans le film, tout ça, la misusu, mon acteur, mon baouti, nani bayaka. Parce que bon, bah ça, là, moi aussi, je peux jouer dans une pièce de théâtre ou bien dans un feuilleton ou dans une télé dramatique. Et ça que bon. Il y a un petit mur qu'on doit briser en principe. Mais tout ça, déjà, mon mur se gagne pousser. Bah, tout va courir, bah, sauter là-bas, on va qui n'est plus dans la zone négoto. Bah, tout va bang, ah, sur ce mur, briser quoi quoi là, on attend ce moment avant d'aller. Donc, on est là. Il y a juste une petite barrière qui nous sépare, mais on est tout le temps ensemble. Naba Ronsi à Tosala Razalaga, Naba Yekima, on est tout le temps ensemble. Moi j'ai pas mal travaillé avec Mohombi. En fait, on est na théâtre, na musique, on est tous ensemble. Mais ça que, et ça peut ma bêté différence soit les parce qu'on peut pas tous faire la même chose. On peut pas tous faire la même chose. Il faut qu'il y ait diversité d'options dans le monde audiovisuel. Parce que si tu as un cinéma, tu as un cinéma. Ce qui est important, c'est que le cinéma existait. Donc il faut baser la caca. Bah Caleb, il faut baser la Junior Kumbuzo, il faut baser la joueur. Moi, il y a un langage qui est cinéma, Zara, et que je suis un peu de théâtre. C'est comme si on les traite des personnes. C'est comme s'ils si n'étaient pas très compétents parce qu'ils sont un peu vexés dans ma ambouane. Or, bah, on est plus dans la visibilité que dans le cinéma, par exemple. Je donne un exemple. Les théâtres populaires, dans les médias, on a vu sur les rames, mais le cinéma, tu les rames. Et ça, c'est vrai, le lobby. Bato basala rango basa juste un peu ignorant. Tout celui qui dénigre Moutoulora Caleb, excusez-moi les termes, je pense qu'il a mal été. Parce que quand dénigre Moutouté qui a outil de nulle part à créer structure moroboyé, à créer bas texte, à saliba scénario, à saliba synopsis, allez, à réunir un bon nombre de gens, bas saliba filmage, bas saliba tournage, et puis le monde entier commence à suivre. Yo mon homme tabongo, au mon homme tabongo, katinaté, c'est que yon deux atinaté. Parce que à ça les logos en atina pour la bas congolais. Moi, je salue beaucoup le courage de Nada, la Duchesse, mon vieux Elombe Soukari, mon vieux, en tout cas, Vénanga, vraiment, Rock Bodo. Tu vois, tous ces gens, Vioka Diombo, Vien Abissoana, ce sont des gens qui nous ont donné le goût. Il y a aussi l'audiovisuel, même si tu as choisi option et cinéma, mais moi, je leur rends toujours hommage, parce que sans eux, on ne serait même pas là non plus. Donc, je respecte beaucoup Saï Saï, Sobe et tous ces gens-là parce qu'il faut pas aller à Kaka. Parce qu'avant la Banossa cinéma, je regardais déjà Saï Saï na TV. Avant la Banossa cinéma, je regardais Sobe. Et Sobe, écoute, ça, matin, mais façon, na se kara jour, mais je te dis, ça m'a fait un bien. En fait, ils font du bien aux gens, na nengi na bango. Aujourd'hui, je vous dis que ça, tout le monde s'est extra, il y a nada, na aïda basate. Alors là, quand quelqu'un se met déjà à rire, c'est-à-dire que le pourcentage à stress, il y a ma baisse, ça ne passe pas pour arriver au point Roseka. Donc ce sont des gens qui sont utiles. Moi je demanderais vraiment un respect absolu parce que on dit quelque part la voix du peuple c'est la voix de Dieu, même si c'est pas dans tous les cas. Pour Barabbas, donc moi je pense vraiment qu'il faut tout respecter Rabango et puis que ce respect là soit mutuel. Ce n'est que dans un respect mutuel que tu dois avancer. Lélo, moi je dirais pas parce qu'il y a la commune à Hollywood qui va tiguer le Barabamba. Non, jamais je ne peux oser dire ça. Parce que ils ont la mutumo kanda banda quelque part, mutumo kanda salaire loco. Même Mataba Babodo, c'est pas eux qui ont commencé. Il y a eu des Maboki Ngaliema, il y a eu des Mundueri, il y a eu des gens qui sont venus finalement. Et puis si le Tokumi na banda master, mon ami que je salue vraiment, Pierre Mutulanga, Tokumi na ba Emmanuel Tara, Tokumi na ba Roncia. Et puis voilà, aujourd'hui, on a au moins c'est que les Français avaient toujours. Le truc du rire là, oh, Jamel Debbouze Assala, qui on a ça au Congo aujourd'hui grâce à quelqu'un. Donc ce n'est pas Ndenga Bandi en Obongo que bon, ça veut dire quoi toi, Ndoseka. Non, aujourd'hui Rancia a fait quelque chose au Bandai Kozalazala, Penza comme tel souhaité. Et puis, honorable Ados Nombasi, à Salage Loro Mora Malonga Lamboko, mais où en sommes-nous? C'est parce que les gens, le gouvernement et tout ça, Balinko Pesa Bisso chance en Ate Rosala et Singil Tozala. Et c'est ça qui est déplorable parce que. Pourquoi chaque fois que Mouta Koufi est un artiste, il faut qu'il y ait un artiste. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de bon fonctionnement. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Vraiment, merci beaucoup. Il y a un problème de bon fonctionnement, il y a un problème à tous les niveaux. Bisopé n'a pas de niveau, Donc voilà, salutations à maman Daniela Moukokola, patronne du Canada. Mamimi, je te salue, ma sponsor. Il faut qu'on te signale, parce que ça pense, il faut qu'on te signale dans les réseaux sociaux. Salutations à maman Déborah Kamanda. Salut.
salutations à maman Nana Chaoumba, maman Angèle Yoa, je te salue. Boza et belé pour soutenir à demain. N'y a le roi, maman Marita Julia, maman Béatrice Ochitenge, continuez de le faire. Je vous motive et je vous encourage à le faire. Donc voilà. Alors, Moïndo Pongo, au Banda Wapi Cinéma. Parce que je pense que bah, les cinémas sont plus cachés. Tout le monde a mis des théâtres, mais pour nous, il y a un cinéma professionnel qui a mis un peu théâtre populaire, chose qui n'est pas mauvaise, mais l'idée est où tu es. Et là, on y a surtout une question de rêve. Moi j'ai commencé à apprendre l'anglais dans les années 12 ans. Pourquoi il y a eu l'anglais à 12 ans? J'aimais tellement Michael Jackson que je voulais comprendre ce qu'il disait dans ses chansons. Après, j'ai commencé à comprendre les mots, les phrases et tout. Finalement, j'ai commencé à un niveau où je suis vraiment en anglais à fond et permettre d'être indépendant partout où je vais au monde. Et puis, l'art, il y a théâtre, il y a quoi jouer. C'est depuis que j'étais enfant que je faisais ça. Dans la CNET école, j'étais toujours parmi les choisis pour la salle. Pour n'avoir qu'un ami sur Batouté. Et puis, dans la Yemba, j'étais là, je crois, à 5 ans, 6 ans. Dans la Yemba, dans le stade du 20 mai, quand j'avais 9 ans, dans la convention de mon église à l'époque, il y a le ministère de la voix. J'ai chanté au milieu du stade, il y avait des gens comme ça. J'avais 9 ans seulement. J'ai même fait un discours devant Papa Yemba quand j'avais 14 ans. Namassine. J'ai fait un autre discours devant Félix Oise quand j'avais, je crois, 18 ans, 19 ans. Namassine à Petro Congo. Donc, c'est-à-dire que Namutumoko côtoyait le monde des arts, c'est déjà depuis que j'étais enfant. Mais alors, quand je suis arrivé en Corée du Sud, j'étais un rappeur, un chanteur et tout ça. Alors, j'arrive là-bas, ma productrice m'amène dans une boîte de production pour faire mes clips. Et moi, j'avais toujours tendance à faire des clips avec un scénario derrière. Moi, j'aime pas les clips qu'a Bozo Binaboye maintenant. Mes clips sont les clips dans la banzé Mounangane, c'est Busy Boss, Nudge Ahead, Beachwood Aftermaths. Au moment où il y a un clip, il y a toujours un film dedans où ils ont raconté l'histoire maintenant. Alors, j'écrivais ces scénarios-là comme ça. Mais déjà, bien avant, en 2003, j'avais joué dans une pièce, l'église de Mabonza. Il y a Damien Dimonekine. J'étais un figurant d'église. Voilà, j'étais un figurant et l'acteur principal c'était Barnabé de Toumao. Donc moi j'étais un figurant, c'était mon premier rôle dans le monde, il y a audiovisuel à Kinshasa. Donc j'étais là comme figurant. Et Rama Bounza, puis la tête, la zubi, ma bounza, là, on a qui n'est payé, la tchèvi, ma bounza, là, la balou, la zongi, et puis la fanny. C'était bien pour moi en fait, j'étais dans un bain, j'étais dans un goût moroboué. Après, quand je suis arrivé en Corée, tu vois, ça a clip, là, à un moment donné, le réalisateur, il y a clip, voilà. Il dit à ma productrice que mais ton rappeur là, moi je le sens plus comme un acteur parce que quand je suis sur lui, je fais une prise, c'est bon. Une prise, c'est bon. Une prise, c'est bon. Mais quand on va chez les autres, il faut bander la 3, 4, 5, 6 fois, ça fait passer du temps. Bon, et bien, moi j'étais plus là, moi je voulais être le prochain 50 Cent du Congo, je voulais être le prochain Tupac du Congo. Vous voyez, donc, il y a plus la musique que le cinéma. Alors, j'arrive ici à Kinshasa, on a la musique en anglais américain. Alors j'arrive ici, les gens aimaient, on a senti que bon, on a comme irresponsable, j'ai un enfant, j'ai une famille, mais musique on nous permet de la vivre. Alors moi je ne voulais pas continuer à faire quelque chose, oh yo, ils nous permettent de la vivre dans la. Non seulement ça, mais aussi musique on les recommander. Pour ça la buzz, pour ça la succès, pour ça la bêtise, nanzem. Faut y ma bêtise, faut y aimer l'or mobo et zarara, et même anglais mobo est dépravé. Or moi je suis un formateur. Des jeunes. Je suis un change maker, je suis un activiste, un révolutionnaire, je suis quelqu'un qui enseigne la bonne marche, la bonne voie et tout ça. Et ça, tout ça, bah, toi, bah, erreur, hein, habité dans la parfaite. Et comme, oh non, yo, écoute, comment est-ce qu'on a, non, on va publier, on va publier, pardon. Non, bon, en fait, je suis quelqu'un, oh, n'a pas l'ingaté, n'a pas noyé, m'a bien, m'a bien, m'a bien, pour n'a pas la succès. Moi, je n'aime pas bouffer l'argent malvenu. Et puis moi je gagne de l'argent pour nourrir le mien. Non, je ne pourrais pas faire ça. C'est ça qui m'a motivé à arrêter la musique. Dans le sens, il y a Oluka, Koko, ma star dans la musique. Non seulement ça, je suis aussi un enseignant. Donc j'enseigne le français, l'anglais. J'ai fait ça à cours en France. Aujourd'hui, actuellement, depuis 3 ans, j'ai fait ça à cours en France. Mais à l'époque, j'ai donné cours en Corée du Sud. Alors je me suis dit, bon, n'a pas plus accès à talent dans la musique que la musique pour la musique et même bien. Et il m'a bien été personnellement. Mais j'ai fait des belles chansons, des beaux clips et tout, qui sont même valables jusqu'à aujourd'hui. Après, en 2013, je rencontre le professeur Balou Foubakou Pakanyenda,
que je salue vraiment avec beaucoup d'honneur, excusez-moi. Et lui, on parle, on nous a introduit, on nous a présenté, on parle un peu, je lui parle de mes ambitions cinématographiques. Il me dit, tiens, j'ai un projet sur 12 courts-métrages qu'on va tourner ici à Kinshasa, je vais te réserver un rôle. Ah bon? Et il m'appelle, quand il est revenu de la Belgique, il m'appelle, il me dit, voilà, tu as un rôle de... Parce que là, j'étais un peu plus... Bon, moi, ma taille ne dépend plus de moi, hein. Ça dépend du rôle que je joue. Rôle, Fnada, Pomba, la Vimbina, voilà. Voilà, donc, Zalanit, c'est roi bébé, il y a Patrick Kenkalala, je pesais 95 kilos. Donc, j'ai rajouté 15 kilos sur mes 80 kilos. Donc, Nagoma, elle a musclé, mais grave. Donc, voilà, j'étais un peu trop musclé à l'époque. Après, c'est un rôle, il y a chef des bandits, mon beau. Alors, moi, dans ma nature... J'aime la perfection, bien que ça n'existe pas chez l'humain. Mais dans la salle fort, je vais atteindre le niveau de la perfection. Que ce soit Tali, mon type, vraiment à travailler avec. Même si je ne suis pas parfait, mais alors, quand même, que tu es type, vraiment, je vais à travailler avec bien. Alors, quand on a travaillé avec le professeur Baloufou, les gens dans l'entourage du cinéma, tu vas découvrir comment j'ai joué dans le film. Ma prestation a donné un autre sens à ce que j'ai d'habitude. Puis finalement, Josiane m'a appelé pour faire son film Triste Fin. Pichucho, vous m'appelez pour faire son film Meta, j'ai joué le rôle d'un rebelle. Dans Triste Fin, j'ai joué un mari abusif qui tape sa femme, qui tue même l'enfant. Et puis finalement, Attila m'appelle, lui qui m'avait vu dans le tournage, il m'a pris dans son film. Finalement, un jour, je passe sur Facebook comme ça, pour Namoni, série télé, policière, tout ça, casting. Et ça, le roi a des années, bah télécommunication sinon bah ça là bah compétition avant bah artiste wana place bah gaze bah bima place bah innocent bah bima hein des bah ça là en haut je citerai pas le nom je sais pas si c'est permis mais bon voilà et ça bah genre bah compétition à bongo genre bah best of the best superstar des bah Vodacom bah ça là ça wana alors il y avait un casting pour toute la ville de Kinshasa c'est à dire que bah acteur bah zaki appelé ok casting alors moi je suis parti je suis allé na commune à casting presque parmi les dernières personnes. Na komela ba pesinga ba texte na ngai, na sali texte na boum boum boum, on m'a fait passer devant, pris photo, boum boum. J'ai fait ma prestation et puis na kela nga. Pas pena si na voyage na ngai na kei na nga ba voyage na nga libandambo. Ce n'est qu'un jour Nathalie boîte mail là, je trouve que non, voilà, tu as été retenu pour le rôle principal à la série Ndakisa, mais on apprend que tu n'es pas au pays, tu es au Groenland et tout ça, mais est-ce que tu vas revenir? Je dis oui, bien sûr, pourquoi pas. Et j'ai pris mes bagages, boubou, je suis rentré. Quand je suis rentré ici, Tobandi tournage, 3 mois, on a titané à policier, on a travaillé, et puis finalement, ça a été ce que ça a été. Et c'était ça le déclenchement de tout ce qui reste. Ah, ok, donc c'est Ndakisa qui a déclenché beaucoup de c'est choses. C'est Ndakisa qui m'a propulsé, au fait. Ok. Ouais. Et Ndakisa, c'était une production Yaba Congolais ? Ndakisa, c'était une production de Search for Common Ground, qui est une structure ici, donc à la recherche des terrains d'entente. Hein. C'est des structures qui viennent aider un peu les pays en conflit souvent. Alors, c'était un financement américain en collaboration avec la police nationale. Le commissariat général a mis les tenues de la police, a mis les dispositifs, les tenues, les policiers aussi pour la sécurité et assurer une bonne marche du tournage. Ils ont aussi mis les véhicules. Donc, c'est ça qui a fait qu'on tourne Ndakisa en bonne et due forme. Ok. Mais déjà, ça va faire un total de 27 films quand même dans lesquels tu as joué. Enfin, dans les 27, il y a les courts-métrages aussi également. Mais quel est parmi les 27 film Oyo joué, quel est le film qui t'a le mieux vendu? Bon, c'est ce que je viens de dire, Ndakisa. À part Ndakisa, il y a aussi Valatin, ça vient de sortir au mois de juin de l'année passée seulement. Et puis on a aussi Eden, le film dans lequel j'ai joué avec Diane Kamwanga. J'étais Adam, elle était Eve. On a tourné un film dans Ndenge Adam Eve Bazalaki, on a tourné ça. Mais raconter un peu d'une autre manière. Alors, dans le film, c'est Bima. Mais moi, comme je fais un travail, je compte ça. Parce que ce n'est pas un travail jeté. Pour moi, c'est un travail. Alors, film est haut. Et ça, série est salakinga. Oui, Matisse, il y a un niveau de top. Et ça, Ndakisa. Après, j'ai joué dans Bada Yaribu qui est sorti. Oh, il y a Jamel Yassopo qui était ma co-actrice. A gagné un trophée. Et puis, Valatin. Donc, déjà, avec Valatin, j'ai gagné deux trophées. En 2019, on a gagné deux trophées. Apparemment, ma fille, nous sommes tous les deux. Nous avons pris un trophée à part Aden. Oui. Dans Ndakisa, nous avons trois trophées. Nous avons trophée les amis de la culture. Nous avons Culture Awards. J'étais le meilleur acteur pris à innovation. Parce que Ndakisa, c'est série Morobo un peu hors du commun, quand même. Après, on a gagné à Londres. J'ai gagné le meilleur acteur congolais à un festival de cinéma à Londres. J'ai gagné à Bukavu.
au FestiGlac, donc Festival du cinéma des Grands Lacs. J'ai gagné aussi le meilleur acteur du Congo. Et cette année, l'année passée, j'ai gagné avec Valatin deux trophées. Le trophée de Mongita Awards et puis le grand trophée national au Festival Fikin, donc Festival international du cinéma de Kinshasa. Ouais. Ça va faire, en fait, il a reçu au moins 6 trophées de meilleur acteur congolais. J'ai un trophée que j'ai gagné bien avant, mais ça, c'était pas un trophée par rapport au meilleur acteur, mais c'était un trophée par rapport à une distinction. Donc, je suis de Massina, je suis né à Gombe, bien sûr, mais j'ai grandi à Massina. Donc, notre domicile, c'était à Massina, na Botamikuna, na Kolikuna. Et je suis revenu de la Corée, j'ai créé une structure de production pour élever ma communauté, hein, pour aider les jeunes de ma communauté à faire quelque chose dans le domaine des arts. Et puis, entrer dans le cinéma, donc il n'y avait pas un garçon de Massina venu du bas comme ça, qui a réussi à se forger, à s'imposer dans un monde où personne ne pouvait imaginer qu'on peut venir de là et devenir number one quelque part. Donc on m'avait donné ces prix-là de reconnaissance par rapport à une distinction, ça c'était Mbonda Changu. Donc c'était une distinction, il y a district à Changu Mubimba, Nazwaki, trophée, voilà. Donc au total ça fait 6, ça fait 6 trophées à mon actif. Ok, voilà. On a vu Moïse Dopongo dernièrement, Hollywood Nassima. Il y a eu un sali film, on a Jason Statham, Bon, en fait, aux États-Unis, j'en ai deux fois. Je suis allé pour la première fois en 2018 et puis en 2019, en novembre j'étais là-bas. En octobre j'étais là-bas. En fait, non. La première fois je suis allé, c'était par rapport à des cours que je donne. Par rapport à la motivation que je donne aux jeunes, parce que moi je ne suis pas venu d'une famille riche, je suis venu d'une famille de classe moyenne. La seule richesse que mon père m'a donnée, c'est l'éducation, l'instruction, les efforts qu'il a fournis pour payer les études pour moi. Ça, c'est la seule chose que mon père m'a donnée de plus précieux que tout ce qui reste. Alors, en Corée, j'ai pas mal encadré des jeunes, ici j'encadre pas mal de jeunes, j'ai encadré dans la musique, dans le sport et maintenant dans le cinéma. Alors, ce qui a fait que les Américains puissent s'intéresser à moi, ce n'est rien d'autre. Moi, alors, moi, je poste souvent ce que je fais. Je suis Facebook, je suis sur Facebook. Alors, en 2013, j'avais rencontré des Américains à Goma. J'étais invité à un festival de cinéma là-bas comme une guest star et à musique. Donc Kendra kuna comme star ya ndule. Bon, to benga ka star non, na za na star te na vedette ka ramuke mais ba benga so ba star. Na Kendra kuna comme une guest star ya musique, je devais jouer à Goma tout ça, voilà. Et j'ai rencontré des réalisateurs américains qui ont été intéressés par rapport à mon anglais, c'était ça a étonné tout le monde quand je parle anglais, on s'est dit ah, mais c'est un américain. Même aux États-Unis quand j'ai parlé anglais, on se disait tu es de quel état, tout ça, on me demandait pas tu viens de quel pays. Donc c'était ça. Alors quand j'ai rencontrer ces gens, on a parlé, ils se sont intéressés à moi, voyant les multiples films que je faisais, les publications dans tel tournage. Alors c'était un peu étonnant de voir qu'il y a une personne qui est partout en même temps. Alors ils se sont intéressés à moi de voir si je peux aller pour discuter sur les éventuelles formations des jeunes et puis parler un peu de mon dévouement sur les arts dans mon pays et motiver les jeunes qui ne font rien ou les jeunes qui sont là à savoir ne rien faire, qu'on peut partir de rien à quelque chose. Alors je suis allé et finalement, arrivé aux États-Unis, j'ai fait mes ateliers avec les jeunes et il y a eu un réalisateur congolais qui vit au Canada qui m'a dit « Tiens, je te vois souvent sur Facebook, on ne se connaissait pas du tout. Je ne vois que tes publications et je t'ai vu aussi ici en Amérique. Moi, je vais à Los Angeles, il y a une grande soirée des stars, il y a des grands réalisateurs, des éditeurs et des vedettes, des stars américaines qui seront là. J'aimerais que tu sois là. » J'ai dit « Bon, d'accord, il n'y a pas de souci. » Mais je ne connaissais pas la personne personnellement, on ne s'est jamais vu avant. C'était quand même osé de faire ça. Je me dis « Ah, je vais payer un billet d'avion de New York jusqu'à Los Angeles pour un plan que je ne connais pas trop bien. » Et le monsieur était très honnête au point que il m'a envoyé la réservation de la chambre d'hôtel, il m'a renvoyé l'invitation avec mon nom, il m'a renvoyé les références et tout. J'ai dit « Bon, je prends le risque. » Et qui ne risque rien ? N'a rien. N'a du vol. Pouti, Californie. Alors, on a commis ce qu'on a. On a commis la Californie. On a trouvé un hôtel en haut. Tout a été réservé. On a bengi pe monsieur en haut sur WhatsApp. Il m'a répondu. Il est venu. On s'est vu. Et puis le soir, toqué la soirée. Voilà. American Editors.
event et l'homme bongo American Idol event. Donc comme ikuna na moni ba star rebelle, j'ai vu le père d'Angelina Jolie, j'ai vu l'éditeur de Mission Impossible à Tom Cruise, j'ai vu moi na chango masina maman dans venue du bas na moni nani comment il s'appelle encore James Wilcox, j'ai vu Jonathan Angus, j'ai vu monsieur comment il s'appelle encore Gary Smith, j'ai encore vu un monsieur qui s'appelle Terry Kelly. Et ce monsieur là en fait tant la bon moi la maïko boukana tu n'es pas venu ici pour regarder les gens quoi. Et là j'ai rencontré finalement un monsieur qui s'appelle Terry Kelly et je me suis dit ah moi la maïko boukana t'es pour la otala talaba tu donc alors j'ai approché le monsieur Tonto Sola, tout ça, la bête les histoires là. Il a dit non, moi je suis Tonto Sola, c'est toi tu es de quel état? Il a dit non, moi je suis pas américain. Attends, non, je suis pas américain. Oh, comment ça tu n'es pas américain? Tu parles comme ça, comment? Il a dit non, je suis africain, je suis du Congo démocratique, de Kinshasa, un pays francophone, mais j'ai fait des efforts pour arriver à parler comme ça. Pour me connaître, comment là dans le problème? Il a dit non, c'est pas vrai. Il a dit si, c'est vrai. Après, il a dit voilà, j'ai fait des scènes d'acteurs, d'un joueur, bon, d'accord. Et on a bête les deux. Kinshasa jusque là, comment est-ce que je suis arrivé là? Sa femme lui a dit non, il faut que tu fasses quelque chose pour ces garçons. Et le monsieur, il a pris le micro. Quand on l'a appelé, il a parlé, il a dit à tout le monde, voilà, on a un acteur qui nous vient de la République démocratique du Congo, il s'appelle telle personne, il est là, il a ses parcours, il est quatre fois meilleur acteur dans son pays, il est aujourd'hui là, est-ce qu'il peut dire un mot? Talara place à Bongo. Tellement j'étais dans je n'ai malheureusement pour moi, je me suis dit que je filmais la photo quand même, parce que je me suis dit, hé là, je suis dit, j'ai commencé à parler. Dans le bec à moi, quelques phrases. J'ai mis tout le monde d'accord que, oh là là, ces garçons, c'est vraiment quelqu'un qui a bossé. Parce que l'anglais que j'avais parlé déjà est impressionné, Ibango. Après, na boutou, après la soirée, bah commis article mon robot et puis lui-même il a publié Nabilo on a bango et là bah contacté comme moi par-ci par-là. Donc j'ai été contacté pour un film à Indianapolis, un film à New York, un film à Washington. Donc et ça Babilo au Moboué, c'était venu parce que j'ai donné la volonté, j'ai mis de l'argent pour arriver jusque là pour poursuivre mes rêves au fait. La langue t'a permis au fait la langue m'a beaucoup permis. À percer et tout en fait, ça c'est important. Jour, en fait Nabaye Boué. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Moin Dompongo, and I'm here for the first time in America because I'm chasing my dreams. So, as Mr. Terry Kelly said, if there is any opportunity to get me hooked up in a film, please do. I'm here available for everybody. Thank you. Voilà, un truc comme ça. Alors, les Américains, t'es genre... Les Congolais qui parlent comme ça. Donc, c'est ça qui, bon, Dieu m'a vraiment donné la force et puis l'intelligence d'arriver à maîtriser la langue et le talent que j'ai. Mais voilà, on est arrivé là. Donc, Namoussala Oyokoye, qu'on a plusieurs langues, surtout anglais, et Coco a une influence très positive. Très, très important, très positive, oui. En tout cas, vraiment, te prendre en compte, Bissot, tu as un journaliste, il faut que tu aies vraiment langue. C'est très, très, très important. Alors, Moindo, 27 films déjà, plusieurs titres, Oyozanango, et aujourd'hui, qu'est-ce que tu envisages pour ta carrière? Et tu penses que Ozo réussir, il bien aux eaux évoluer, mais aussi est-ce que le ministère de la culture on a pas pris nos bourgeois kawana n'a pas pour que les États-Unis bouquent au coup mais ça les soukosa congolais au qui m'boka na yo sonite est-ce que le belabango a été loco est-ce que ça va quelque chose pour Nabino on est habité mais je pense que déjà bah ça là on a bangoté ça c'est vrai bah ya au sala bah discours hein bah discours milaï na événement Nabiso va filmer de ça là tout pourtant Nabiso moko on demande que cette fois-ci que les choses changent bah toi bah ici bas on a même comportement na bah toi calaté bah gouvernement il est gars qui va être sur bah caratro parce que ah, quand on voit culture zéra, on voit mon arabe musicien. Quand on voit le sport, on voit que le football or il y a la boxe, le football or il y a la boxe, il y a le karaté, il y a tout ça. Un peu de théâtre, pareil, cinéma, tout beaux impôts. Voilà, tout ça, tout va et tout bisouter. Donc on essaie de faire en sorte que tout mes cacos ça la mémo moro boue tout déposer pour que les choses changent. En tout cas, moi j'invite déjà tout le monde le 15 février la Showbuzz parce que mon film international Yaliboso. HOA, Heart of Africa, en français Cœur d'Afrique, que je tourne avec une star américaine. Qui s'appelle Brandon Ray Olive et Gobi Massé, le film de Chopper Kabambi. Ça sort le 15 en avant-première dans Showbuzz. Et puis le 21 et le 22 février dans la salle Boboto. $10 salle Boboto, $20 Showbuzz. Les coordonnées de Moindo Pongo, vous les aurez sur le numéro qui est affiché là de demain. On mon conseil, ce n'est pas la dernière fois que. C'est pas la dernière fois que vous voyez une émission à Bisso. Mais s'il y a un message que tu dois passer à tout le monde, le mot de la fin, ou tu peux aussi passer tes contacts directement. Bon, un mot de la fin pour tout le monde. Moi, je dirais en tout cas que l'amour règne parmi nous. Congolais, lingi, congolais, t'es. Tosenga, bosalate.
Na lobara depuis 2015, film bouna robe dati na Hollywood. J'ai demandé tout ça la côte ça ba lettre par-ci par-là et ça là il remonté. Na ki États-Unis na ndenge nanga. Muta ko sa public té, muta ko sa ba fanatique nanga té. Na komi Hollywood, muta cha 1 franc à zaté. Ministère ça le logo té, muta ça le logo té. Dieu m'a donné la force et les moyens, je me suis sacrifié na kei. Mais bo zela raté que toko maraba star a miné le roi Mutombo di Kimba. Après ah, c'est le fils du pays. Bo zela toko maraba ba Mombi. Hein? Mon frère Mombi na travaille bien là Mombi il était là bazo beta ba valona ba beta bon kara mais Mombi aujourd'hui a défendre Congo partout a betina oui a betina ba Nelly ba Econ ba a komeli baba ba Quincy Jones ba Nzembo ba Beyoncé le lokutu Nzembo ya komela Beyoncé Jesus Grammy kuna Mombi donc c'est vraiment une fierté alors wana boku mokumi ça. C'est comme moi aujourd'hui, comme dans la tournée dans Avenger T, Bobet Afsokara. Je vois mon ami Will Smith, il fait ouais, mon amour. Ma cabouille, on a tous la ceinture affichée. Non, mais maman, t'as un goût. Maman. Ma cabouille, c'est titre. Bobet Afsokara, Abundi Bouni en Afrique du Sud, a comme champion du monde, fils du Congo. Donc, c'est comme si, mes parents, surtout, ils ont négligé. Je suis un Bundi, je suis un Zui. Tant que je suis un c'est ça. Donc le gouvernement a besoin d'avoir parents responsables pour accompagner Abisso. Ce qui peut être aux tu peux s'abîmer en Europe. Là-bas, c'est la tête que tu portes en arrière. Soit aux après, boyo ça va être discours dans le bloc et belé belé. Tu boyo mingan la cortège dans l'aéroport. Si pas président. Non, boyo mangan siko yo. Bo considérer ngan siko yo. Bo sunga Abisso siko na cinéma tout ça. Vraiment, bo sunga bato cinéma congolais. Bo tala encore après théâtre populaire. T'es bo tala après bato cinéma parce qu'ils existent seulement. Ils se sont délaissés et abandonnés. Merci à vous d'avoir suivi cet élément. Merci à la production qui a été assurée par le King. Bak Josina Bagwabi, Bana Belgique, Nyonso, na ville ya Spa wana Penza, contactez Vanessa Wiggs. Si vous avez besoin, il y a contact onaye Vanessa Wiggs, elle est là, elle est pour vous, elle a des très bonnes perruques, des très belles perruques. En tout cas, na pe sabino vraiment contact onaye parce que bientôt à Ozala na Kinshasa, Bana Kinshasa Lubumbashi, Vanessa Wiggs sera là pour la vente privée naye, vraiment pour contacter sur le plus 32 465 32 36 38, plus 32 465 32 36 38. Vous avez besoin du numéro de Moïndo Pongo, vous pouvez l'avoir, c'est le bon, vous allez contacter demain Nyangi, il veut pas donner son numéro, c'est pas grave. 085 okay. 38 34 224, okay. Je reprends 085 38 34 224. Boya pona musala, pardon. Ali Boya pona musala, vraiment nous sommes arrivés à la fin. Hein. C'est un homme responsable. Il est certainement en couple, c'est probable. D'accord. Alors, à contactez-le pour le boulot. Merci à vous, je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye. Na benga yon na kombo ni ye Yesu.